Bonjour à tous, bienvenue sur ce stream qui devrait pas être trop long, j'espère. Je vais peut-être un peu trembler parce qu'il fait très froid. On va donc passer les Invaders à Montauban. On est en face du premier, enfin du premier en tout cas pour ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais mettre mon masque. Je pense que c'est le numéro 2. Et donc je vais sortir le téléphone à flash et m'en occuper tout de suite. Hop, ça va être notre premier pour Montauban. Alors je vais éventuellement monter un peu pour vous montrer les 100 points supplémentaires. Alors je suis à 611 avec 20 350 points. Ça va être un 10 points, mais je vais avoir 100 points supplémentaires pour la ville. Bim, 10 points. 100 points supplémentaires, c'est effectivement le numéro 2. On n'a pas eu le son parce que j'avais pas encore mis la fin. Mais voilà, bonus 100 points. Bim, nous voilà à 612. On continue donc l'histoire. Et on va donc faire le tour de la ville vite fait. Il y en a un dans un musée, mais je sais pas si je vais y avoir accès. Parce que le musée sera peut-être pas encore ouvert ou pas ouvert du tout. Donc ici, je suis là. Et il faut que... Ah oui, d'accord. Hein, oui, ok, oui, d'accord, oui, je comprends. Il faut que je traverse ce pont-là. Je vais quand même faire une photo, c'est vrai, ouais. Petite photo des invaders. C'est vite d'oublier. Hop. On recule un peu, hop, comme ça. Boum, c'est une jolie photo. Voilà. Hop, hop, hop. On est un peu tôt, mais pas le choix. Ah mais non, on est un peu tôt, mais pas le choix, parce que j'ai pas mal de routes à faire. J'aimerais bien atteindre l'Espagne aujourd'hui. Et aussi sortir de ces vilains nuages et de cette pluie permanente qui me réfrigère. C'est pas facile. C'est pas facile, moi je vous le dis. C'est très joli comme ville, là on revoit Montauban. Pas dégueu comme petit quartier là. Bon, je sais pas s'il fait tout le temps mauvais. Enfin tout le temps, s'il fait souvent mauvais. Mais en tout cas c'est joli. Alors, le suivant, je pense que je le vois déjà. Il est là contre le petit mur. Bim, on enchaîne les deux premiers. Les autres vont être un peu répartis. Mais facile à trouver. Vous voyez l'autre là? Elle est juste là-bas. Et du l'escalier qui descend. Zoom ici, mes plans caméra sont tout tremblants parce que j'ai la tremblotte. Mais voilà, oh. Tout en noir et blanc. Ah oui, c'est vrai, mais je pense que ceux de Montauban ont tendance à être que noir et blanc. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais apparemment, ouais, il s'est fait un délire noir et blanc ici à Montauban. Hop. Là, on devrait avoir le son. PPTTT, numéro 3. Voilà, donc ça, c'est pour les deux premiers. Je devrais en faire 9 ou 8, je pense, facilement. Hop, et là, on va aller voir le 10. Le 8, pardon. Le 8. Au final, je pensais m'être garé un peu loin,
des invaders, mais ça va. La ville n'est pas très très grande, j'ai l'impression. On devrait pouvoir se les faire assez facilement. Tous. Hop, est-ce que j'ai loupé? Ah là là. Mon téléphone étant tout mouillé, il a tendance à... Mais bon, il est un peu tôt pour ce stream, au pire les gens regarderont peut-être le replay si ça les intéresse. Il y a encore un vachement beau pont là-bas. Il y a beaucoup de ponts à Montauban, j'ai l'impression. Mais moi c'est l'heure à laquelle je dois faire. Enfin je dois faire. C'est l'heure à laquelle je fais ce stream parce que ben voilà, c'est maintenant que je suis là. Je vais pas attendre. Je ne sais pas quelle heure il est en Australie pour la copine Sylvia qui vient de temps en temps. Ou même si c'est férié en Australie, parce que là, enfin non, même ici au final ouais c'est vendredi. Vendredi, moi je faisais le pont, c'était établi depuis un moment. Mais c'est peut-être pas le cas, c'est pas le cas de tout le monde. Alors qu'est-ce que ça dit? Melbourne. Ah oui effectivement, il est pas encore 5h de l'après-midi à Melbourne. Bon, c'est l'occasion de faire un live à un autre horaire, on vérifie, on voit ce que ça donne. C'est pas très très grave. Pour le voyage que je fais ici, j'avais plusieurs fois au niveau de la boucle que je fais. C'est-à-dire que je fais une boucle à partir de, on va dire, de Montpellier jusqu'à Montpellier. Mais soit tu partais vers Montauban, Toulouse, puis Bilbao, soit tu partais vers Perpignan et Barcelone. Et j'aurais peut-être dû faire l'autre tour afin d'avoir du meilleur temps. Mais bon, on va s'arranger. Là je pense que si je me dirige vers Biarritz, il y a moyen que j'ai pas du trop mauvais temps. Alors l'autre il devrait être ici. Ah ouais. Peut-être sur ce muret là. Je pense. Sans certitude. Ça pourrait être là. Oui. Voilà, le suivant. Ils sont très très noirs ces carreaux. Très très noirs. Ils ont l'air tout neufs les invaders. Ils ont peut-être été réactivés parce que je pense que l'invasion a été faite il y a un moment ici. Ouais, je pourrais vous donner l'information grâce à Invader Spotter. Mais... Hop. Hip. Et lui c'est un 20 points, le numéro 8. On va aller voir sur Invader Spotter ce que ça dit sur Montauban. Hop. Et alors la suite ça va se passer par là. Je pense que ça c'est le musée dans lequel il y en a un aussi, mais qui va pas encore être ouvert de toute façon. Et bah tant pis, de toute façon j'ai pas tellement le temps d'aller au musée. Malheureusement. Ce sera pour une prochaine fois. Après vu qu'il est dans le musée, il y a quand même assez peu de chances qu'il soit un jour embêté. Donc si un jour j'ai l'occasion de passer à Montauban et d'aller dans le musée, eh ben, on saisira l'occasion. Mais là pour le moment, pas le temps. Alors du coup ici. Alors donc Montauban, envahi en 2009 effectivement, voilà ce que je me disais. 2009 ça fait déjà pas mal d'années. Et ils sont encore en bon état, ça veut dire qu'ils ont été, ils ont pas été réactivés à mon avis régulièrement. Alors, voilà. Ma géolocalisation me dit que le suivant est, donc il y a le 11 je pense qui est à l'intérieur de ce bâtiment-ci. Ce bâtiment qui est un musée Ingres, je sais pas. Donc à l'intérieur de ce bâtiment là il y en a, mais
à partir de demain, vendredi 30 octobre. L'application n'est jamais arrivée. C'est parce qu'elle va fermer jusqu'à. Non, c'est. De toute façon, oui, apparemment, il n'est pas fait. Il n'est pas ouvert à cause du Covid. Donc, pas de regret. Ça sera pour une prochaine fois. Si tu pouvais arrêter de faire ça, toi, ça m'arrangerait. Ok. Donc, par contre, ici, il devrait y en avoir un, à mon avis, ici en bas, sur l'escalier. Par ici. Non. Ah, est-ce que The Wasabi était là? Nous avons un view. Alors ici, quelque part, sur cet escalier, il est censé y en avoir un, je pense. S'il n'a pas été détruit. Des jolies petites briques bien oranges. Et dans ce coin-ci. Mais je ne sais pas où. J'ai donc cette nuit dormi. Ah ben, il était là-bas tout en haut. Quel teubé. Il avait eu son. J'ai juste pas levé assez la tête quand j'ai commencé à descendre. Mais donc, je disais, j'ai dormi sous ma tente, sous la pluie aujourd'hui. Donc, content d'avoir la tente, mais pas content d'avoir la pluie. La ville a déjà été bien amochée, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Mais bon, il devrait flasher. Alors hop, on sort l'application. L'application est buggée. On ferme l'application et on la relance. Et voilà, numéro 10, qui est quand même un peu endommagé. On va essayer de faire un plus grand angle. Et on va faire une petite vidéo. Petite erreur de téléphone qui se lance sous la musique. Ça, c'est le problème de l'humidité et de la pluie. Ça fait de la conductivité avec les écrans tactiles et compagnie. Et c'est pas jojo. Pas jojo. Ça nous fait des petites interférences. Voilà, un joli petit plan. Hop, ça c'est fait. Parce qu'il y a des choses qui se disent sur le chat de mon viewer. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable viewer. Et voilà, on en a déjà fait 3 en 14 minutes. Du coup, je pense que ça va aller assez vite pour Montauban. J'espère que cela ne vous posera pas de problème. Que ce soit court. En même temps, il n'y en a pas beaucoup, donc je ne peux pas faire autrement. Alors, la suite. La suite se passe. Hop. Numéro 7 qu'on avait là. Il va falloir que je descende, en fait. Je pense bien. Je vais remonter, mais idéalement, il faut descendre. Ah, je suis tout tendu de rouler sous la pluie dans le froid, de dormir sous la tente dans le froid. Et heureusement, j'ai pris un Airbnb à mi-chemin. Demain soir, je suis dans Airbnb, ce sera un peu plus confort.
Alors, par ici, on a la petite sculpture. Et là, il y a un espèce de gros muret. Ah ben voilà, lui, celui-là sera un 100 points. Il est assez fameux, il est assez grand celui-là. C'est une belle pièce. C'est une belle pièce. Qui doit être une œuvre en rapport avec la région, j'imagine. Avec la madame toute nue. Et elle a une jarre et de cette jarre tombent des invaders. Pas mal du tout. Toujours en noir et blanc. Et ça, c'est un bon gros 100 points. Alors par contre, là, je suis pas assez loin. Je m'éloigne un peu pour l'avoir en full. Donc, pour l'avoir en full, il faut se mettre au milieu du machin. Bim, 100 points. La source de l'invasion. Elle est la source de l'invasion. Je ne sais pas si... Quel est le nom de l'œuvre originale. La source de quelque chose, sans doute. On est à 20 600 points et 615 invaders, je pense. Ok, on va faire un petit plan quand le camping-car il sera passé. Alors, comment c'est le plan de là-bas? Le pont, on s'en fout, celui-là il est pas joli. Hop hop hop, on éclaircit un peu. La lumière, elle est assez capricieuse. Là, on prend une photo avec ça ici et les musées. Un grand background. Je peux avoir un grand angle, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça c'est le numéro, je ne sais pas combien, mais qu'il est fait. Je vous dis ça tout de suite. Donc ça, non, 616. Je suis 616, j'avais dit 615, je m'arrête. Donc effectivement, tout ce noir et blanc pour le moment, c'était le numéro 9. 9 sur 11. Il y en a 11 au total. Je devrais en obtenir 8 sur 11, je pense. Parce qu'il y en a un qui est mort. Il y en a peut-être d'autres qui sont morts, donc ce sera 7 ou 8 sur 11. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a, on fait. Hop, ici par là, et bien de nouveau, je continue par là. Cette petite route là, et à la fin de cette route là, le problème étant que cette route là, il n'y a pas de passage piéton. On va essayer de falloir trouver un moyen de y aller sans se faire écraser, se mettre en danger. À chaque fois mon téléphone s'en va et change de choses. Du coup, il y a peut-être des commentaires que j'ai loupés. Si c'est le cas, j'en suis navré. Connecting. En tout cas, le live a l'air de continuer, d'être ok. Là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Et donc on passe ici à côté de cette sculpture en bronze, j'aurais tendance à dire. En fait qu'elle a verdi, en tout cas il y a un métal style cuivré. Ah ben voilà, c'est Ingres, c'est le fameux Ingres, qui est donc un peintre mais de temps ancien. Ça ne se reconnecte pas. Est-ce que tu veux bien te connecter? Ah mais merde. Ah j'ai coupé le wifi, s'est coupé ici dessus. Mais c'est de elle que je partage la... Ah non. Non mais si, carrément. Carrément. On a dû avoir une coupure de stream par contre. Je ne sais pas. Il me semble être. Ok, bon non, ça a l'air d'aller, ça a l'air de tourner. Je ne comprends pas.
Il y a des choses comme ça qui me dépassent. Et donc je voulais le chat. Le chat au cas où. Et donc quelque part ici, sans doute sur le pont, juste là à droite, je pense, on va avoir un invader. Exactement. Là. Bon, est-ce que je peux arriver à mettre mon téléphone sans qu'il parte en sucette à chaque fois? Là, dans la poche. On a l'invader juste à lui, il est en parfait état. Il a sans doute été rénové, hein, bien sûr, depuis 2009. Ça paraît étonnant. C'était une petite Fatta. Hop. Et le scanner de ce pas. Ils sont assez bien regroupés tous autour du musée Ingres. Un invader supplémentaire qui ne fait que 10, mais c'est plutôt des petits. Enfin, à part le. Ouais, c'est plutôt. À part un pour le moment, ça a plutôt tendance à être des petites pièces à 10 et 20 points. Et il est encore parti se promener ailleurs, hein, ce téléphone. Il m'énerve. Trop d'humidité partout, ça déclenche tous les boutons sur le. Sur le téléphone. Là on va se faire un petit plan quand même avec la. Avec une belle fresque en plus. Il y a une belle fresque là. On devrait pouvoir faire. Ah, femme. C'est original, c'est vraiment, on dirait un peu inspiré de jeux vidéo, mais en même temps de rien de précis, c'est pas exactement, c'est pas une reproduction exacte. Pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'aime assez. Petit côté pas spartiate, mais romain. Espèce d'insecte romain guerrier. D'accord. Et donc on passe à la suite. On en a déjà 6 ici, je pense. Si je ne m'abuse. Effectivement, on en a 6. Je pense que je peux en faire 2 supplémentaires facilement. Le prochain, c'est le 10 là-bas. Mais oui, d'accord, ok, je comprends pourquoi j'ai pas eu tout ça. Ouais, pas mal du tout ça au final. Donc là on va chercher le numéro 10. Oui, c'est le moyen le plus évident. On remonte ce qu'on avait descendu tout à l'heure. Et après on retourne vers le 4 et le 4 il devrait pas être trop loin de la moto. On aura fait une belle boucle comme il faut. Du coup je me suis pas trop mal garé par rapport à là où ils étaient. Je n'ai pas trouvé l'emplacement spécifique pour les motos ici, du coup je me suis un peu mis à l'arrache, on va dire, sur une place, comme ça se fait dans plein d'endroits. Bon, je considère pas que ma moto gêne, donc ça devrait aller. Mais bon, il y a toujours cette petite question, que va-t-il arriver?
un parking ici, on aurait pu me mettre là, hein, soi. Mais il y a l'air d'avoir des barrières à ce parking. Il est plutôt vide. Il m'a refait le même que d'hab. Hein. Je comprends pas ce qu'il me veut. Pourquoi il s'en va là à chaque fois. Alors, 25 minutes de live. Ça va être très très court. Hein. Je pensais que ça allait peut-être me prendre 2 heures, et ben même pas. En 1 heure, ce sera fait. Je vais arriver un peu après 8 heures. Le temps de préparer toutes les affaires, machin, etc. Trouver le premier invader, lancer le live. On aura pour même pas 45 minutes de live, je pense. Presque une demi-heure, hein, parce qu'il m'en reste deux. Donc ouais, même pas 40 minutes de live. Mais bon, ça fera, c'est enfin un petit live, le tour de tout ce qu'on a de disponible comme invader en cette période, sachant que le musée est fermé. Limite, si le musée avait été ouvert, j'aurais peut-être eu le temps d'y aller. Parce que c'est aussi, je me dis, j'ai pas envie de payer l'entrée du musée et de faire vraiment juste que l'invader, vous voyez. Si je fais le musée, ça m'arrangerait de pouvoir le visiter, le musée. Mais ça me paraissait compliqué. Du coup, ici dans le coin, il devrait y en avoir un autre, je pense. Faut que je me localise comme il faut. Si mon téléphone veut bien me reconnaître, non. Mon téléphone ne sait pas qui je suis. Vous avez sans doute tous vu mon mot de passe. Voilà, là j'ai avancé. Ok, d'accord. Donc on va remonter par là. Elle est chaude cette place. Il y a un petit kiosque. Il pleut, je peux me mettre à l'abri là, mais je crois que je vais devoir remonter, ouais, par là, non, si, ouais, dans cette rue là. Et là il pleut très très légèrement, pluie qui, si j'étais à moto, me gênerait sans doute un peu, mais en étant à pied ça va. Mais comme je vais bientôt devoir remonter sur la moto, ça veut dire que je vais continuer à être mouillé. Une très belle fresque encore ici. Enfin, très belle, faut aimer, hein, mais vachement chouette. C'est assez artistique comme ville au final, Montauban. Petit, mais il y a des petites fresques de partout. C'est agréable. L'oxytrol. Ça sent la figurine Warhammer ici. Warhammer 40 000, c'est un truc de jeu ça. Ouais. 2 personnes maximum. Et donc l'invader il va être sur cette place là je pense. Là aussi il a une maison avec une devanture toute décorée. Assez chouette. C'est chouette. Et voilà, on a de nouveau la dame toute nue qui verse de l'eau. La source. C'est la source, ça doit être un dessin de Monsieur Ingres. Ah ben le voilà. Le petit invader là au-dessus. Le voyez-vous? Bim. Hop. Et on sort l'application invader. Et on se fait notre 7e. Toujours en noir et blanc, bien sûr. Et là, on a un clocher. On va prendre le clocher. Hop. Faire la rotation. Montrer la maison toute colorée. Un petit zoom dessus. Et puis partir. S'il n'y avait pas la voiture, ce serait vraiment nickel. Même pas tout à voir. Voilà. Et donc là on poursuit et on va avoir un petit peu de temps à marcher. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Un viewer. Un shadow viewer. Mais là, oh là, ils sont en train de tout refaire cette place là.
Ça sent le parking souterrain ou c'est moi? Je sais pas, c'est étrange. Ouverture, deuxième semaine, un grand chantier. Accueil, service adapté, ouais, interparking. Ouais, ils sont en train de creuser du parking souterrain. D'ailleurs, ça a pris la flotte avec la pluie. Ça ressemble plus à une piscine qu'à un parking. En fait, je pense que, alors c'est 100% conviction, mais des fois dans certains cas, les villes, comme ça, il y a une petite place qui devait être assez vieille et un peu détériorée. Et n'ayant pas les moyens de rénover la place, ils proposent à une société d'exploitation de parking de refaire la place en surface. Et du coup, ils leur offrent l'espace, enfin, ils leur permettent. Il leur offre l'opportunité dans le cadre de la rénovation, de mettre un parking en dessous de la place qui refont au-dessus, quoi, en surface. Je pense que c'est un truc dangereux. Alors après, ben les arrangements, etc., ben les détails, je connais pas. Hein. Je pense pas que ce soit offert à la société. Il y a quand même les droits d'exploitation, etc. Mais c'est un peu l'idée d'espèce d'avoir un... Comme ils rénovent la place supérieure, la place en surface, ben ils ont des avantages, quoi. J'imagine. Bon, avant de partir, il faudra trouver une boulangerie ou acheter à manger. À chaque fois, mon téléphone part en sucette et il va regarder des streams et compagnie. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Hop, petit peu de feuillette. Alors je me demandais, est-ce que ça pourrait être intelligent? Parce que là j'ai pas de catégorie en plus de sélectionner, ce qui est assez étrange. Ça arrive. Mais de mettre quelque chose genre Space Invader, est-ce que ça existe là, l'application Space Invader? Ah, l'application s'appelle Flash Invader. Flash Invader. Non, il n'y a pas de Flash Invader. Mais on peut peut-être avoir du Space Invader. Non plus. Non, du coup, la catégorie que je mets d'habitude qui est Travel. Non. Un téléphone qui fait n'importe quoi alors qu'il a pris deux gouttes. Insupportable. Et donc, Travel. Travel and outdoors. C'est exactement ça que je fais. Hein. Bon, c'est un peu tard pour mettre à jour. Est-ce que je suis censé sauvegarder ça quelque part? Non, c'est bon. Tour arrière. Hop. On va avoir une petite notice de Wisebot qui va lui dire que c'est changé ou pas. Ah ben ouais, mais non, ça n'a pas été changé. Là, je change là à update information. Je vais appuyer sur le update information. Ah, title your stream. Mais il est déjà title de mon stream. Il me fait chier. Bon, c'est pas grave. Tant pis, on va faire ça. Hein. C'est pas pour les 10 minutes de stream qui restent. Le temps d'arriver au numéro 5. Enfin, numéro 5, je sais pas si c'est le numéro 5, mais au dernier, à mon numéro 8. Au 8e, là il y a un petit marché qui ferait pas des petits trucs à manger au petit marché là. Ça pourrait m'arranger. Des trucs à manger que je peux emporter direct, hein, genre des pains, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a? Rôtisserie, non, je vais pas prendre un poulet rôti.
Des légumes, des fruits. Les fruits, je peux reprendre une banane. Mais non, tant pis. Une autre fois. Alors du coup, là, est-ce que j'ai marché suffisamment? Il devrait y en avoir un pas très loin. J'ai sans doute peut-être même trop marché. Ah oui, carrément, carrément, j'ai carrément trop marché. On va retourner sur mes pas. Je dois aller à la place nationale. Bon, ça nous donne l'occasion de faire un petit détour. Rue de la Comédie. Le studio de Tartuelle. Bon, si c'était pas sous la pluie, je pense que ce serait plus sympa. Mais c'est déjà bien sympa. Comme ville, j'ai l'impression. Pourquoi ce téléphone? Ah là là, oula. J'ai perdu toute sa luminosité, le gaillard. Ça va, chérie? Ouais, on va aller par là. On s'est bien allé par là. Ça sera plus bien si ça avait été ouvert à la fabrique. Pâtisserie, restauration, coffee, compagnie. Mais non. Il n'y a que les fleuristes qui sont ouverts pour le moment. Un camion au milieu de la route. Je sais pas ce que les gens de Montauban pensent de leur ville, mais je trouve que les commerces du centre-ville sont pullulent. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il y a un marché couvert. Un marché couvert, il y a une boulangerie, je pourrais probablement trouver de quoi manger. Et là, j'arrive à une place nationale qui est en rénovation. Et j'ai bien peur, après ce que j'avais vu sur Spacer Invader, que l'invader qui est ici il a été dégommé. Alors par contre, il peut être à beaucoup d'endroits, donc je vais tricher un petit coup. Il y a gravé des... Je vais tricher un petit coup et regarder ce qu'il est censé être. Grâce à Spacer Invader. Hop, ici, voilà, c'est effectivement là, et il a été détruit quand? Vu sur la 2019, février 2021, il a été reporté détruit suite à la rénovation. Ah oui, d'accord, effectivement, il était en fait en contrebas sur les marches, comme ils ont mis du gravier, ben on ne peut plus le voir. Alors, on va essayer de voir là où il y avait le bar avec l'arcade pour faire une photo. Voilà, c'est ici. Il était juste ici. Il a été enseveli par les graviers. C'est triste. C'est triste. On va faire la photo pour qu'ils aient une photo sur... On a fait fort sombre à l'intérieur et on ne peut pas reconnaître, mais... Voilà. Bon, eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis, c'est pour ça que j'avais dit que ce serait peut-être 7 au lieu de 8. Et donc, c'est effectivement 7 au lieu de 8. Je vais mettre un terme au stream parce que. On va aller vite fait promener. On va aller chercher à manger. Voir si le marché est couvert. Je vais sortir mon portefeuille direct. Sortir mon portefeuille, il faut que je dérange la caméra.
Bonjour, je vais prendre deux pains au raisin et un pain au sucre, s'il vous plaît. Une tresse à la framboise à la pain au sucre. Deux pains au raisin. Deux pains au raisin, s'il vous plaît. Et deux tresses. Et une tresse, s'il vous plaît. Non. Oui. Ce qui vous fait 4,50, je vous prie. S'il vous plaît. Et parfait, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Ça c'est fait, on a mangé. On retourne à la moto. Il continue de pleuvoir. On est là, on voit que ce masque dans les yeux, c'est pénible. Voilà, on va terminer, on est tranquille dans les rues de Montauban. Quelque part de plein. Voilà. Bon, du coup, toi, tu vas aller là. Et donc, c'est déjà terminé pour ce live. Si vous avez raté tous les invaders, je vous invite à regarder le replay. Ceux qui pourraient éventuellement débarquer maintenant. Il n'y a juste personne parce que c'est trop tôt. Il est 9h du matin. Et les gens sont soit au boulot, pour ceux qui travaillent, soit en mode repos, pour ceux qui sont en congé. Que je comprends bien, mais on aurait eu un tarif de 45 minutes. Ensuite, le plan de la journée est d'aller vers Toulouse. Toulouse, j'en ai deux à choper. J'en ai déjà chopé quelques-uns, mais il y en a un sur autoroute que j'avais pas eu le temps d'aller voir. Et il y en a un qui a été réactivé depuis, normalement. Donc on va aller s'occuper de ces deux-là. En espérant que le temps s'améliore, ça a l'air de se dégager un petit peu, petit à petit, en tout cas c'est moins que hier et que certaines zones ce matin. Donc j'espère que ça va rester comme ça malgré les quelques centaines de kilomètres que j'ai à faire. Et voilà, je tombe sur la moto, sans même le faire exprès. Nous y voilà. Ok, eh bien je vais renfourcher mon destrier. Merci à vous si vous regardez les replays. Navré de ne pas avoir été en live à l'heure où ça vous arrangeait. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Il y aura un live normalement demain, je pense, de Bilbao. Demain, oui, a priori. Donc demain, aujourd'hui on est vendredi, demain samedi. Oui, demain il y aura live de Bilbao d'office. Donc des bisous à vous. Et à la prochaine. On va mettre un. Si j'appuie sur.